Comment dire? Je n'étais pas du tout prêt à ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que tout se passe bien pour vous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, nous allons parler du prochain DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Oui, vous m'avez bien entendu, le prochain DLC annoncé de Dragon Ball Xenoverse 2. C'est le magazine V-Jump qui a mis de l'avant Dragon Ball Xenoverse 2. Et dans ce DLC, on va avoir la Kaioshin du temps jouable. Et pas que, ils vont aussi nous rajouter une extension de personnalisation des partenaires. On va avoir la tenue de Broly. Pour notre personnage Broly, quand il est en forme, juste avant de se transformer en Super Saiyajin Full Power, c'est-à-dire la forme du Saiyan Ozaru, c'est la transformation Ozaru. Il maîtrise la puissance du singe tout en restant en Saiyan. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir personnaliser certains personnages qui n'étaient pas personnalisables dans personnaliser les partenaires. On peut apercevoir Gogeta. On peut personnaliser Gogeta. Ça, franchement, ça va être tellement stylé de pouvoir faire ça. Ils vont sûrement ajouter des techniques qui n'étaient pas disponibles. Aussi, Dragon Ball Xenoverse 2 a fait plus de 6 millions de ventes. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors moi, les amis, franchement, je ne m'y attendais pas du tout à ce DLC. D'avoir Chronoa en personnage jouable, franchement, c'est quelque chose. La Kaioshin du temps, vous en rendez compte quand même. On va avoir la Kaioshin du temps en personnage jouable. La date du DLC n'est pas encore prévue. Et je pense que ça doit être d'ici le mois prochain, parce que là il y a Goku Ultra Instinct qui va arriver sur Dragon Ball FighterZ. Et là je pense que Chronoa sera disponible le mois prochain, ou alors peut-être dans 2 mois, parce que ça prend quand même beaucoup de temps de pouvoir faire un DLC. Est-ce que aussi dans ce DLC vont-ils nous ajouter du scénario? Parce que si on va avoir la Kaioshin du temps en personnage jouable, c'est peut-être possible qu'on ait du scénario. Parce que quand même, la Kaioshin du temps, c'est quand même l'icône. C'est l'icône avec Trunks Zeno de Dragon Ball Xenoverse 2. De Dragon Ball Xenoverse à part entière. Les techniques qui sera disponible avec Chronoa, c'est Holy Igress et Kairos Cannon. Et son attaque ultime, c'est Galaxy Time Impact et God Cross Cannon. Alors ce sont les techniques traduites en anglais et sûrement qui vont être traduites en français. Et aussi, on va avoir un costume de Kaioshin du temps pour nos personnages et une extension de la fonctionnalité de personnalisation des partenaires permettant aux personnages qui ne pouvaient pas être choisis auparavant d'être maintenant sélectionnés. Et aussi, il va y avoir une mise à jour gratuite. Donc, ce qui inclura dans cette mise à jour, pour l'instant, on n'en sait pas trop. Mais une chose est sûre, il y aura encore des ajouts, même si ce DLC comporte que la Kaioshin du temps avec ses techniques. Sûrement qu'on va avoir des quêtes parallèles et aussi qu'on va avoir plusieurs tenues, parce qu'ils ont annoncé la tenue de Broly juste avant qu'il se transforme en Super Saiyajin Full Power. Et aussi on va avoir Chronoa en personnage jouable. Alors pour l'instant il n'y a aucune date annoncée, c'est le V-Jump qui en parle. Et une chose est sûre, ce DLC je l'attends de pied ferme, je l'attends vraiment de pied ferme. C'est un DLC que j'attends, mais vraiment un truc de ouf, parce que quand même c'est la Kaioshin du temps et je pense que ça va être quand même un personnage très très puissant. Ça va faire un petit peu bizarre de jouer la Kaioshin du temps, et ce qui est super cool aussi, c'est qu'on va avoir une extension là où on personnalise les partenaires, c'est-à-dire là où vous personnalisez les personnages de l'anime. Aussi, pendant cette mise à jour, bien sûr, ils vont rééquilibrer certaines techniques. Donc, il y aura des patchs sur certaines techniques. Il y aura des améliorations sur certaines techniques. Et comme pour notre habitude, les amis, là, on ira tout simplement découvrir ce DLC. Vous avez été très très nombreux à m'avoir demandé des RP sur Dragon Ball Xenoverse 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer... Si vous voulez, dès maintenant, vous pouvez commencer à laisser votre candidature tout simplement dans les commentaires. Et ce qu'on va faire, c'est que pour les RP, on va commencer d'ici quelques vidéos
on va s'organiser. Je vais aussi inviter quelques joueurs en partie, comme ça vous donnerez vos avis vous aussi, parce que ça fait quand même un sacré bout de temps que je fais des vidéos sur ce jeu, et quasiment jamais je n'ai invité un ou deux, voire trois parmi vous, tout simplement, pour pouvoir tout simplement donner vos avis et faire des parties avec moi en temps réel. Comme ça, pendant mes vidéos, vous allez avoir vos voix dans les vidéos et je pense que ça vous ferait super plaisir. Et surtout quand il y aura ce DLC, ça serait quand même un truc de ouf de pouvoir faire des quêtes ensemble, et tout ça on le fera en temps réel et j'enregistrerai des gameplays pour justement les partager après sur la chaîne. Donc n'hésitez surtout pas à laisser votre candidature juste en bas des commentaires, comme ça je vais vous sélectionner. En plus, moi je suis sur PlayStation 4, alors pour les joueurs Xbox, c'est dommage que ce jeu n'est pas cross-platform. C'est vraiment dommage, je vais pouvoir sélectionner que des joueurs de PS4. Donc n'hésitez surtout pas à laisser votre candidature. En plus, en vocal, on peut être jusqu'à 16 joueurs. Donc n'hésitez surtout pas. Prochain DLC sur Dragon Ball Xenoverse 2, le DLC 11. Alors là, vraiment, là on est à la saison 11 hein, sur Dragon Ball Xenoverse 2. Franchement, ça fait super plaisir, ça fait super plaisir. Parce que ce DLC, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à Moro, vraiment une suite liée à Dragon Ball Super. Non, pas du tout, c'est lié à Dragon Ball Xenoverse tout simplement. Et ça sera Chronoa, la Kaioshin du temps. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de laisser votre candidature pour les prochaines vidéos et pour les RP. Et tout simplement aussi faire des parties sur la prochaine mise à jour. Parce que beaucoup de vidéos viendront, bien sûr, comme pour mes habitudes, à chaque saison sur Dragon Ball Xenoverse 2, je serai là tout simplement pour vous partager des gameplays et vous partager quelques petites astuces et faire des tests sur les prochains personnages qui sont annoncés. Alors vu qu'il n'y a pas de date annoncée, il se peut bien sûr qu'il y ait encore un personnage d'annoncé. Parce que là, ils ont annoncé la Kaioshin du temps avec une extension de personnalisation des partenaires. Ils ont annoncé des nouvelles tenues, ils ont annoncé une mise à jour, mais ils n'ont pas annoncé de date. Et à chaque fois dans Xenoverse 2, à chaque fois qu'ils ont fait ça, il y avait toujours un autre personnage derrière. Après, vu que la Kaioshin du temps c'est un personnage très très emblématique, c'est possible qu'ils annoncent que ce personnage. C'est vraiment possible. Après, ce qui est possible aussi, c'est qu'ils annoncent un autre personnage. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite sur Dragon Ball Xenoverse 2. Je vous remercie à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Et on se retrouve très très vite les amis. A plus !